nous pouvons nous affronter par le boycott, par les actions des investissements, etc. Et Ziad, il écrit beaucoup de choses dans la vie. Ah oui, parce qu'il nous aide, parce qu'il a, une page de, Facebook sur une page de 5000 amis, d'accord. Il a pas mal d'amis, d'accord. Donc, je travaille, bien sûr, ce n'est pas un travail officiel, c'est un travail de bénévolat, c'est une initiative noble. Pour les diplômés de français à Gaza. C'est lui qui a filmé et vous avez utilisé. Contre les amputés, ils ont appelé à boycotter pour moi. Ouais. C'est lui qui a filmé. Ça veut dire une action là-dessus. Ouais, ouais, c'est moi qui a filmé les amputés. Il y a aussi des autres diplômés qui travaillent. Bon, les autres vidéos, c'est juste l'idée, c'est une idée simple. Si vous êtes francophone de Gaza, vous avez le droit de prendre une vidéo et nous, on va publier sur Gaza la vie. Donc, ouais, c'est juste quelque chose de simple, mais je pense qu'on a fait pas mal d'encouragement des gens du solidaire. Il y avait pas mal des gens qui ont dit « Excellent, continuez, c'est très bien, c'est magnifique. » Il y avait pas mal de solidaires qui ont dû soutenir moralement, c'est-à-dire parce que nous, on ne demande pas le soutien financier, parce que c'est... مهم جدا في الماضي زي ما حكينا كنا احنا كحركة تضامن فقط ندين الاعتداء الإسرائيلي ندين الجرائم الإسرائيلية أما مع محاكاة انتقلنا إلى الواقع فصرنا نعمل مقاطعة للمنتج الإسرائيلي فأصبحت إسرائيل عدو مباشر في الماضي إسرائيل لم تكن عدو مباشر لأن كان الفلسطينيين يعني يكون أعداء إسرائيلية وكنا نودينها والآن صرنا نذهب إلى المحلات في فرنسا وأصبحنا نقاطع المنتجات الإسرائيلية وأصبحنا نطلب من الشركات الفلسطينية عدم الاستثمار في إسرائيل، فأصبحت حركة التضامن حركة واقعية أكثر منها حركة Avant le BDS, nous avons ici à Montpellier l'habitude de dire que nous luttions pour les Palestiniens qui étaient là-bas loin. Avec le BDS, nous avons le sentiment de lutter avec les Palestiniens. L'idée que le jour suivant, le samedi, puisque pour nous c'est le samedi qui est jour férié, nous allions tenir un stand place de la Comédie pour populariser ces grandes marches pour rendre hommage aux martyrs qui était tombé pour dénoncer le nombre de blessés et pour soutenir la revendication la résolution 194 de l'ONU pour le grand retour. العيد الوطني العيد الاسبوعي كل يوم سبت نعمل لقاء في وسط بلازا كوميدي ساحه كوميديا في عندنا ساحه في غزه نعمل تجمع يسموه تفكير بشهداء مسيره العوده تفكير بجرحى اي شيء بيصير يوم الجمعه بنعمل تقارير اعلاميه لتصلهم من غزه بيعملوا